Outlaw lifestyle, quack and hold squad one against studio. Gang shit. David Julie, zo akonet, Panam, artist rap, zo akonet. Wouah, wouah. Bon, quel message je fais passer à travers ma musique? Pas de message spécial. Je veux faire mon point conscience que ça ne nous qu'à rapper là forcément, à part ça qui bon bayo, tu vois le style. Après, ni ça qu'a pris un bon sens là, ni ça qu'a pris un mauvais sens là. Mais moi, bon, si on y a un message à peut faire passer, c'est parfait qu'on nous, parce que voilà, ça qu'a mené. Et puis voilà. Mes sources d'inspiration, c'est plutôt US déjà. Donc Gucci Mane hein, depuis 2006-2005. Gucci Mane, après rap français. J'écoute beaucoup d'Aouzi, des groupes comme AS. Ouais, voilà. Moi, la Squall. Débuté un peu moi, tu vois. Après, voilà. Hein. Plutôt US. Rap français, c'est pas trop mon truc. Enfin, plutôt rap US. Tout ça qui Gucci, les Migos, Young Emma. Ça, c'est mon délire, voilà. Bon, mes projets à venir. Début janvier, l'album il est dans les bacs. 12. Pourquoi 12? C'est un hommage à mon grand-père qui est décédé. Et après, c'est un mélange de ma vie, l'incarcération, la sortie, la famille, les rencontres. Un mélange de tout. Mais trap salé, il y en aura pour tout le monde. Il y aura du rap français et tout. Et tous les feats sont prêts. Il y aura des feats. On va pas annoncer la couleur de maintenant. Surprise, moi j'ai tout cochon azote, tout dinde azote, pompier azote en décembre. Ouais, plein d'alcool. Et début janvier, elle restait connectée. Ça cabaye sale. Boum boum. Qui m'a lancé dans la musique? Un butin tout bête. En terre, mon frérot, mon Ismaël. Big up, frérot, à connaître, ça bouge pas. En bougant, mon Guadeloupe, frérot, moi-même. Nous levons ensemble. Et 20 lait, nous t'es là, cacouton, on son. Un butin admiralty, je crois, papillon, un butin qu'on on son admiralty, t'es fait à l'ancienne. Et pendant nous cacouter son là, en poser, si instruit là, pendant nous cacouter son là. Et Vetti, frère, là, dit, mes amis, aille poser ça, faut un butin, mais moi, on comprend c'est un délire. Oh là. En finant studio, en posant son et c'est parti de ça. Mais Denso n'a pas fait à la base. Vite pour faire moigné, coupion, aïe, pompier. Et ben frère, ça partit de ça. Et ben allez là, voilà, ça cabaille ça et voilà, on va connaître trap sale. Outlaw lifestyle, gang shit. Conseil je peux vous donner. Si c'est une passion, vas-y. Mais si vous voulez faire ça pour l'argent, c'est mort mon pote. Pourquoi c'est mort? Parce que là, ça a des clips en nous. Ou bien pas nous. Nous pas qu'à loin. Ou bien clip assez rappeur français là. Ça a d'accord, peut-être il a tout. Il a de l'argent, il a une grosse voiture. Mais en vérité, à pas ça. Avant, il s'est arrivé là, il est là. Il s'est galéré. Si 20 rappeurs, ni peut-être 10 rappeurs qui font un hit, que ça a pété, avec dans un mois ou dans un an, il signe en maison de disque. Mais sinon, avant ça, on a galéré, frère. Tu vas en chier, mon pote. Donc, si on travaille, on a un café à côté. Pas même laguer ça pour faire musique. Tu vois le style, parce que ça pas comme ça, Zami. C'est pas du jour au lendemain. Donc, on sait qu'on s'est un peu basé. Si c'est en passion, bitin, fais. Tu vois le style. Surtout qu'elle est là, bitin là, ouvert, elle est là. Ça plus accessible qu'avant. Ni plateforme, ni streaming, ni radio, ni comme un bitin. Ça qui pas qu'à passer en radio avant, elle est là, il peut passer en radio. Tu vois le style. Hein? Mais, on conseille un peu basé. Si c'est pour l'argent, pas faire ça, mon pote. Ça sert à rien. Faut que c'est en passion. On va connaître. Big up One Again Studio. C'est la base, mon frère. Bombo Malik. Sa film, on va connaître. Ludovic Regna. On va connaître. Libérer les frérots. Timasta, les frères Wata. Outlaw Lifestyle, gang shit. N'avez pas oublié, restez connecté. Début janvier, 10h. 12 dans les bacs. Sa cabaye. Sa film, gang shit. Outlaw Lifestyle. Quoi qu'un road squad. One Again Studio, sa film, freestyle. Gang shit. Mes amis, un homme là c'est un Glock. Et puis un tisaï, que ça l'a pas, il finit un clock. Gang shit. Le meilleur ami de l'homme c'est le Glock. Et ça pirantise que ça pue de son clock. Maman j'ai des armes à feu. Parce qu'il n'y a l'eau en vieux. J'écris mes textes sous peu, pas de cocaïne dans le nez, petit merdeux. J'écris mes textes sous peu, pas de cocaïne dans le nez, petit merdeux. Hey, le meilleur ami de l'homme c'est le Glock. Et ça pirantise que ça pue de son cloque. Maman j'ai des armes à feu. Parce que ni en l'eau en vieux.
J'ai que mes têtes sous peu, pas de cocaïne dans le nez, petit merdeux. J'ai que mes têtes sous peu, pas de cocaïne dans le nez, petit merdeux. C'est triste à dire mon frérot, mais c'est une putain de réalité. En préféré, vers maman, yo pleuré 20 fois. Au lit, c'est un moi qui plairait. Envoie la balle, je suis plutôt doué, alors c'est contrôle orienté. Pichenette faite de corps, j'en fais du sale qu'on commande sur le côté. Hey, œil pour œil, dent pour dent, définition de la loi du talion. Ils m'ont lâché dans la jungle sans rien m'expliquer. J'ai dû me débrouiller comme un putain de lion. Concurrence là inutile, qu'on capote à dents en couvent. J'ai braqué le game sans cagoule et sans gants. Comme ça j'y laisserai mes empreintes. Hey, je braque les riches et je ramène aux pauvres. Un peu comme Peter Pan. Et une fois en prison, toujours j'assume et je rassure ma maman. En derrière tout, certains qu'à trouvé moins pito ou insolent. Et t'es ce qu'a coûté moins en boucle, alors Zoreya yo j'en sens gang shit. Ça filme, on a gang studio, fucking old squad. Outlaw lifestyle, ils ont à connaître. Il a dit Hollandais, ou tu es fendu.